J'ai besoin de pour vivre bien, pour être en équilibre avec moi-même, de faire de la musique. J'aime le jazz parce qu'il me donne de la liberté. La liberté, c'est le luxe de pouvoir choisir. Pour moi, la liberté, c'est aussi me prendre la responsabilité de dire quelque chose aussi. La liberté, c'est aussi quelque chose qu'il faut bien mériter. Ça fait 8 ans que je suis en Belgique. J'ai vécu en Italie jusqu'à mes 25 ans. Donc, quand même, il y a toute ma formation humaine qui est italienne. Mais ma formation musicale, c'est aussi très belge parce que je suis venu étudier ici. Dans ces projets, j'avais toujours dans ma tête l'idée que si je vais rejoindre des personnes, il faut que je dise quelque chose en plus. Il faut que je rappelle qu'il y a certaines situations, il faut que je rappelle certaines réalités. Et donc, quand j'ai commencé à réfléchir à comment faire ces disques, je me suis dit qu'est-ce que je vais dire d'abord et comment je vais les dire. Et de ça est né le projet de Spellbound. Je pense que tout le monde se demande qu'est-ce que c'est la paix, qu'est-ce que c'est la liberté, est-ce que je suis libre, est-ce que je fais vraiment... Donc c'est quelque chose que tout le monde se pose. Moi, je le pose dans mon domaine, je me le pose dans ma musique. Dans ces disques, il y a une couleur qui est très, très, très électrique. Donc c'est un jazz moderne, avec beaucoup d'énergie. Des atmosphères très ouvertes et des moments plus rythmés, plus où on fonce plus. Il y a peut-être des puristes qui diront ça, ce n'est pas du jazz. Parce qu'il n'y a pas de swing. Mais moi, je considère ça du jazz. Il est vendu dans les rayons du jazz. Donc. Ce morceau s'appelle Cantico, qui est très important pour moi. Et les deux personnes qui vont monter vont chanter dans deux langues. Les deux langues sont l'arabe et l'hébreu. Elles vont chanter des versets d'amour dans ces deux langues qui portent derrière elles, malheureusement, beaucoup de faits tragiques, beaucoup de événements qu'on voudrait oublier. On voudrait seulement souligner le fait que c'est possible, le fait de coexister, de vivre bien ensemble, de faire quelque chose de beau ensemble. Galia Ben Ali et Barbara Virnik. Deux langues, ça donne les frissons selon moi. Ça, c'est la magie de la musique, de pouvoir faire coexister deux réalités que dans le monde, que dans notre monde, ne pourraient pas coexister.
جعلني كخاتم على قلبك كوشم على ذراع فإن المحبة قوية كالموت والغيرة قاسية كالهاوية ولهيبها لهيب نار كأنها نار. Si je n'aurais pas fait ça, donc la goutte qu'on a ajoutée à la mer des messages de paix aurait manqué. Et nous, on l'a dit, on l'a fait. Ce n'est pas quelque chose de... Ça ne va pas changer le monde, comme j'ai dit, mais je pense que la plus grande révolution dans le monde, on peut la faire dans sa vie, dans sa propre vie. عندك ميدان المحبة